on se retrouve donc pour la suite de la mission du Barros. On va enfin le castagner. T'as vu comme il est pas gentil? Et donc il adore emmagasiner de la boue sur lui. Après, on l'a jeté dessus. Évidemment, sa tête, gros caillou comme ça, vous doutez bien que je vais pas lui faire de dégâts. Donc il va falloir taper le reste du corps. Et donc maintenant c'est parti pour un combat acharné, j'espère que j'ai eu découpé au moins autant de parties que la première fois. En plus j'avais fait un super rodéo sur ce mob. Yes, aïe. Allez, commence. C'est dur de voir où je suis, mais partie détruite. Je sais pas trop ce que je détruis, mais je détruis. Allez, on monte. Voilà, sur le dos on est bien. Bim, à terre. Ah non, pas à terre, c'est relevé le salaud. J'espère que vous avez pas trop entendu le bruit de manette comme sur les autres vidéos, parce que là je la martèle. Voilà, la caméra est complètement bloquée, donc c'est pas la meilleure des vues. Go! Ah! Mais c'est pas sur le bon que je tape là! Ah, mais non, en plus qu'on tombe dans la boue donc du Barros là, on est complètement immobilisé. Ouais, non, mais les gars. Ah, il faudra en profiter, il faudra survivre surtout. Ah, ça se voit que c'est pas elle qui se bat! Celle qui aiguise l'arme. Ah non, ça se mange. Ah. C'est elle qui aiguise l'arme, du coup. Ah oui, ça a bien plus vite qu'avec. Et là, il manque plus que les moustiques. C'était pas aussi épique la dernière fois parce que c'était lui le gros monstre et puis c'est tout. Et puis les moustiques en attendant. Ça sera toujours ça de prix. Ah, les moustiques. On peut collecter des touches à la musique? Non. Ah si. Je me souvenais pas qu'on pouvait ramasser. Ils sont tellement tout petits, tout morts. Qu'est-ce que c'est ça? Comme chez Barros. Goût fertile. Si vous pouvez ne pas me faire tuer juste pendant que je ramasse les restes de leur combat. Regardez Milka, je sais pas si vous voyez. Bon, déjà il est complètement bloqué. Et en plus il sort un petit canoë en fait quand il est dans ce genre de zone. Mouillé pour lui. Non, pas le moustique, ça paralyse. J'ai eu le temps de ramasser mon cactus et pas de me faire paralyser, mais... Alors du coup, il est parti où mon mob? Parce que moi, c'est pas lui que je voulais taper. Il est passé dans la carte d'à côté. On y va. Aïe. À la limite, celui-là, je pourrais peut-être le tuer, mais vu que ce matin, j'ai pas trop le temps. On va essayer de faire ça bien et de le tuer au bon moment. Et si on a le Barros, ça sera déjà bien. Ah oui, il y a le crapaud pas loin, c'est bon ça. Coucou. Je crois que je n'ai plus d'endurance. Est-ce que si je remange une ration, ça va me la remonter ou pas? Ouais, bon ça. Oula. Bah oui, c'était une très mauvaise idée. S'arrêter juste devant le mob, a priori. Ouais, envoie-moi la vite à guêpe, je suis pas contre. Partie détruite. Il y a beaucoup plus de parties destructibles que sur le Monster Hunter console, a priori. Allez, viens par là, mon gros. Allez, crapaud. Non, il a gonflé un peu trop loin. Est-ce qu'il y a un autre de crapaud comme ça ici? Je suis pas convaincu, moi. Les herbivores à côté, ils ont pas envie de se battre. Pas la tête, on a dit. Ça marche pas la tête. Il y a un crapaud juste à côté, on peut tenter. Arrête de vouloir m'écraser, je suis pas si méchant. Ah
pas l'air trop d'accord avec moi. Oh non, réveille-toi. Non, c'est pas par là que je vais aller. Essaye de se servir du crapaud à bon escient. Évidemment, il s'en va. Ah non, c'est bon. Mais je me suis paralysé aussi. Ce n'est pas comme si... Ah, merci le chat. C'est vrai qu'ils peuvent faire ça, les chats. Bon, pour le coup, il m'a envoyé assez loin. Et dommage que j'ai gâché cette paralysie à être paralysé avec lui. Ah, il faudra que j'aiguise mon arme bientôt. Au fur et à mesure, j'ai besoin d'avoir une partie de mon arme qui suffise. Charogne, oui, toi-même. Allez, on va aiguiser. Et oui, ça va plus vite avec le poisson quand même, y a pas à dire. Mais bon, on fait comme on peut. Alors, on va récupérer des indices sur l'autre coco, tant qu'à faire. Ça me fera découvrir davantage sur lui. Reviens, Barros, reviens. Je veux pas te faire de mal. Je veux juste te tuer. C'est pas pareil. Zoli champignon. Ah, requête complétée. Je crois qu'il fait la sieste. Ah oui, je me souviens de ce truc aussi. Juste là. Alors, les frags noirs. Hop. Bim, ça il aime pas trop. Bah, ça fait une espèce de stun là. Ça, oui, bon, au niveau idée pourrie, forcément, taper en plein dans la partie la plus solide du monstre, ça marche pas trop. Oui, ça fait mal. On va prendre la B-soin dans le vapeur, vu que je l'ai depuis longtemps et qu'elle me gêne. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Maintenant, on sait pourquoi. Ouf, je vais me faire mettre KO comme un plot, quoi. Aïe, mais là je me fais enchaîner en même temps. Avant qu'il y avait la vita guêpe. Mais qu'est-ce qu'il a être aussi vénère. J'ai plus de premiers soins. Alerte générale. Ah, mais ça sert à rien la baisse-soin. Je fais que la regarder, la ranger. D'accord, super. On sait qu'elle est soignée. Comme son nom l'indique. Baisse-soin, ça me paraissait pas mal. Je vais pas réussir à le faire. Hey, là, pour me dire tranquille. Est-ce que je peux courir et lui sauter dessus depuis l'autre côté? Reviens, Léon! Alors, je peux sauter sans mourir. Ouais, je suis un peu un survivor, quoi. C'est un peu mon genre. Ouais. Il boite un peu, non? Est-ce qu'il va s'asseoir ou pas? Non? Ouais, il a pas l'air de vouloir se reposer. Alors, ah oui, alors ça, ce sont des sables mouvants. Donc, a priori, si j'arrive à le faire charger dedans, il y a des chances pour qu'il s'y enfonce et que j'en profite. Il y a aussi des chances pour que je m'y enfonce et qu'il en profite. Me connaissant, ça serait pas plus étonnant que ça en fait. Bon, le temps qu'il réalise que je suis là. Coucou! On va. Je crois que c'est ça. Hein. Non,
ça a pas l'air de... C'est pas ça le truc, c'est pas des sables au moins ? Que j'ai craqué. Bon, c'est pas grave. Bon, je regarde sur la carte, il me semble que c'est ça. J'avais pas utilisé la première fois, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, les érudits que j'ai sortis, à la base, ils venaient dans ce coin. Parce qu'ici, ils avaient minerai du... de Mora, Zora, Trucmus, McDragor, là, je sais plus comment il s'appelle, le espèce de dragon du volcan qui nous a gentiment accueillis sur notre bateau au tout début de l'histoire. Donc ce même gars, il avait laissé du magma dans le coin, c'est pour ça qu'il fallait escorter les Uridis jusqu'ici. Donc à la pêche, je sais pas le moment. Ouais, je suis comme ça, moi j'ai des pierres sur un monstre en pierre. Et ça le blesse. De toute évidence. Quel combo! Quelle grâce! Ouais, t'as raison, on casse les murs, on sait jamais. Oh, allez, ce dodge! J'ai pas vu venir. Mais non, mais si tu... Non, mais si, il monte sur les cailloux aussi, hein. Comment vous voulez que je le batte, quoi? Oh, pas bon, pas bon, pas bon. Parce que du coup, sa tête, vu que j'ai pas une arme assez aiguisée pour la trancher, je suis pas sûr que... Peut-être plus tard, je sais pas quand j'aurai des armes vraiment plus haut level, peut-être. Mais vu que mon arme rebondit dessus, bah, du coup, ça me fait perdre pendant un petit instant mon équilibre, le temps que mon personnage se remette en place. Là, vous voyez, dès que mon arme passe au tranchant en dessous, il n'y a plus que sa queue que je peux frapper. Parce que sinon, le reste du corps est trop costaud. Vas-y, je te jette des cailloux. Là, c'est, on peut dire que c'est la fin pour lui, hein, clairement. La boiteuse, là, va pas faire long feu. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, du coup? Sable mouvant, un sol extrêmement instable, un impact assez fort. Oh, il fallait peut-être que je tape dessus. Ou je bon. Allez, on va essayer de rattraper le mourant. Faut essayer. A priori, je cours plus vite que lui. Youhou! I believe I... Oh! Can fly! Je peux pas aller de l'autre côté. Il y a des minerais? Pas le temps. Pas le temps de niaiser, les gars. On est là pour tuer du Baros. Putain, je vais me faire peur tout seul avec le câble de la manette. On ne se moque pas. Qu'est-ce que c'est, Scarabouze? Ah oui, bon, on va éviter de taper dedans. On peut jouer au foot? Est-ce que si je me mets dans le bon sens... Boule de bouse. D'accord. Oui, m'attendez pas à taper dans un scarabouse et à récupérer une boule de bouse. Mais pourquoi pas. Ceci dit, c'est plus logique que de récupérer, je sais pas moi, une boule de glace. Mais tu fumes, tu combats, faut savoir ce que tu veux, coco. Putain, y'a assez. Est-ce que j'ai de quoi faire un piège du coup avec tout ce... Parce qu'ils m'ont reparlé. Ben non, j'ai pas de quoi faire des pièges, bon, je suis nul. Et je peux pas crafter des items ou je sais pas. Non, start artisanat. Ah ben voilà, création automatique Y. Je suis pas fou, on peut cocher des... Je savais pas où c'était, mais je savais que ça existait. Alors, non. Filet. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé trop vite. Filet, je peux le crafter? Il me faut du lierre. Toile d'araignée. Alors par contre, je suis peut-être emballé. Est-ce que c'est juste le filet qu'il faut ou est-ce qu'il faut un autre truc pour faire un piège? Bombe, bombe. Piège à fosse. Il me faut un filet, il faut des kits de piège. Handicapé. Donc voilà la partie artisanat du jeu, j'avais complètement zappé que ça fonctionnait comme ça, je me suis emballé, j'ai fait des filets, que je ne peux pas utiliser a priori tel quel. Donc on va le tuer. On ira acheter des kits de pièges en C4 pour les faire du craft, du vrai. Ça sera sûrement dans un prochain épisode. Teasing de l'enfer. Alors. Mais je sais qu'il est là, c'est pas ça. Non, je ne me noie pas, j'ai le nez qui dépasse, c'est tout à bien. Ouais, putain, parce que le temps qui se réveille, ça fait des dégâts en plus.
ça me fait des dégâts en plus, c'est exactement ce que je voulais dire. En plus je suis tombé dans sa boue. Et là vu qu'il vient de sortir de sa boue, il va pouvoir m'en faire au taquet. Parce que je sais pas si vous voyez, il en a cumulé sur son dos. Je suis victime d'un fléau d'eau. J'ai pris l'eau quoi. Pourquoi tu veux pas boire de potion? Oui, je suis fou. On va prendre une ration si c'est si lent que ça doit régénérer. Ça sera moins lent. Par contre le fléau d'eau du coup je sais pas comment il se chasse. Mais les gars ils sont petits bateaux, c'est juste une merveille. Oh oh. Alors là je sais pas si vous avez vu où j'étais par rapport au mob au moment où je suis remonté sur lui. J'étais clairement pas au bon endroit pour pouvoir faire ce que je viens de faire. J'ai juste fait 200 km avant d'arriver là où il fallait. Un peu comme là, on peut le dire. Caillou, caillou. Allez, je t'envoie un mob. Dans, tululu, dans. Arrête de faire semblant, tu vas mourir, on fait tout. Allez, t'as plus de queue maintenant. Hop, hop. Alors, pépite aussi, parce que je vais avoir le temps. Oui, parce que c'est ce secoue pour faire sa boue. La première partie où j'ai donc affronté ce mob, je lui ai également coupé la queue. Elle est tombée quelque part dans ses marécages. Et sur la minimap, elle apparaissait, mais impossible de mettre la main dessus. Impossible. Alors du coup, j'ai passé un moment à chercher dans toutes les flaques d'eau où c'est qu'elle pouvait être. Au bout d'un moment, j'ai joué pour interagir. Ah, ça casse là. Tu casses tout. Je t'y casse ta gueule. Donc c'est pour ça, je suis vraiment blasé que cet épisode soit pas sorti tel quel, parce qu'il y avait pas mal de petites pépites comme ça où j'étais complètement perdu. Il y a de quoi bien s'amuser. Non mais t'es pas obligé de... voilà, hein, t'es gentil, et tu meurs, c'est réglé. Non, je suis en jaune donc on va essayer de taper à l'arrière. Non, je vais pas avoir assez de tranchant. Petit coup déguisoire pendant qu'il fait muse avec Milka sur son bateau. Admirez-moi ce chat, s'il est intelligent. Oui, alors non, là-bas je devais aiguiser mon arme, pas me faire tabasser. Pas le projet. Milka, tu veux pas le distraire 30 secondes? Nickel, le temps qu'il s'énerve là. T'as raison, enlève ta boue, t'as pas. Bah voilà! C'était facile. Direction de retour. Quand Astera... Astera ? Donc à faire. Et comment je valide après ? Je sais pas. Tant pis. Allez, on va récolter tout ce qu'on peut. Donc je vous ai pas montré le... Je suis pas allé tuer l'autre poisson. Comme je vous ai dit ce matin, je manquais un peu de temps pour faire deux mondes. Je voulais surtout vous remontrer la mort du Barros. Vous montrer ce qu'est le Barros surtout, parce que c'était l'événement. On découvrait la map du désert, on découvrait ce mob et j'avais aucun des deux qui avait été enregistré. Donc comme ça au moins vous aurez vu cette nouvelle map et les monstres qui peuvent s'y trouver. On aura découvert ensemble cette espèce de poisson là, qui a dû quand même prendre un petit peu cher quand les deux se sont affrontés. Je vais le taper dessus pour le plaisir en attendant. Il me rappelle le plaisiot sur les consoles. Je sais pas si c'est de la même famille ou pas, mais... Capsule gluante. Gluant, mais appétissant. Boum. Partie détruite. Je sais pas si à chaque fois qu'il y a partie détruite, ça détruit vraiment une partie, ou alors si je vais casser une dent, je sais pas, mais... En tout cas, c'est terminé. Oh, ce magnifique screen de fin. C'est beau. Alors, on a ramassé pas mal de récompenses en même temps. Cuirasse, scalp... On l'a scalpé, quoi. Très résistant, utilisé pour les armes. Très bien. Scalp, os de Wyrenne, scalp, vertèbre. Sphère d'armure, ça c'est bien, os de Wyrenne. Foudre insecte, donc pratique pour les pièges électriques, on reviendra plus tard dans la suite de l'aventure là-dessus. Champignitro, cristal de terre, foudre insecte, champignitro. Et en bonus, donc ses griffes et sa cuirasse. Donc on prend tout, ça va aller dans le coffre évidemment. Et en plus, donc mon chat m'a donné du miel, des os et des noix, ça va. Merde, mais non, je voulais pas le vendre. Bon, c'est pas grave. Bonus coupon, donc x2, on s'est fait pas mal de sous, on a monté le niveau de recherche du Barros, on a même monté du coup celui du Zuratodus, le Palico a monté, la maîtrise de Vitagap est montée également,
Livraison complétée avec du cactus et le nouvel ingrédient, le cactus raffiné. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ce magnifique écran de chargement. Et je vous dis ciao ciao, c'était Baderas.